Voilà, c'est parti pour le combat suivant. Combat dans les règles du K1 et un combat revanche entre deux hommes qui se connaissent bien, donc Christian Bétani et Malike Camara. Malike Camara est le premier à faire son entrée, il représente l'USMT. Les deux hommes qui s'étaient affrontés lors du Muay Thai Attitude 6. Et Christian Bertelli qui s'était imposé par KO dans le troisième round face à Madike. Donc Madike Camara qui tentera ce soir de prendre sa revanche. Madike Camara qu'on a vu plusieurs fois en action sur notre antenne bien sûr. Il avait notamment fait le sparring entre guillemets pour Aurélien Novarté. Et son combat d'adieu, son jubilé, c'est lors du triomphe de Cyril Benzaken qui avait lieu en juin 2017. Donc les deux hommes avaient fait une démonstration hein, bien sûr. Je vous le disais donc, face à Malike Camara, on retrouve Christian Bertelli, représentant de l'Académie des Boxes de Villejuif, qui est, si je ne m'abuse, le club entre autres de Bertrand Lambert. Bertelli. Alors, je vous rappelle un combat revanche entre les deux hommes qui se sont affrontés au mois de février, il me semble, lors du Muay Thai Attitude 6ème édition. Christian s'était imposé avant la limite contre Madike Camara. Et derrière, hein, Christian Bertelli qui a enregistré une défaite par décision contre Yazid Boussa. C'était le 24 mars dernier. Question pour Christian Bertelli, 1m77, 80 pas, 60.
à toi. Tu es attentif, tu fais ton boulot, tu laisses rien passer et tu laisses rien en cadeau. T'as compris ? Voilà, vous l'avez entendu de la bouche de Tarek Ben Mansour, le speaker de cet événement. L'incroyable palmarès de Christian Berthelli. D'accord. Un travail à distance, quand tu dois déclencher, tu t'arrêtes, bam bam, et tu t'en vas derrière. D'accord. Combat, règle K1, prévu en 3 rounds de 3 minutes. Et c'est parti pour ce combat revanche entre les deux hommes. Christian avec le short noir. Madiqué avec le short blanc. Christian qui a pris le centre du ring. En travaillant le kick pour l'instant. Christian qui cadre son adversaire et qui se rapproche petit à petit. Madiqué qui se retrouve coincé contre les cordes. Voilà, faut tourner, faut sortir. Le middle, le kick en réponse. Coquille, on repart. Ah, Christian qui est toujours bien installé au centre du ring. Pour l'instant, échange de low kick. Les points n'ont pas encore fait mouche. Ah, Christian qui cadre. Madiqué est dans le coin, gros middle. Et la réponse tout de suite de Madiqué Camara. Madiqué qui se retrouve acculé dans le coin. La grosse série de Christian avec les poings et les genoux. Le kick intérieur maintenant. Là pour le kick extérieur. Madiqué qui tourne beaucoup. Le kick là qui est passé pour Christian. Et on le voit, hein, le cadrage de Christian Berthelli qui marche très très bien. Il avance tout doucement son adversaire et l'oblige, voilà, à se retrouver contre les cordes. Un kick un peu isolé pour Madiqué Camara. Le kick intérieur pour Christian. Et encore un low kick. Il travaille beaucoup avec sa jambe arrière, Christian. Donc, Madiqué qui travaille beaucoup, hein, sur la jambe avant de Christian Berthelli. Ouais, bel enchaînement ponctué par un middle. Malheureusement, il se retrouve au sol, juste derrière. En tout cas, le middle est passé et il a bien claqué. Et toujours ce cadrage impeccable pour Christian. Échange de low kick entre les deux hommes. Et fin du premier round. Ouais. Tu le cours beaucoup, tu sais ce que tu fais là. À un moment donné, tu t'arrêtes, tu fais ça. T'as compris? On est bien? On est d'accord? Tu vois ce que je veux dire? Donc, pas d'inquiétude à mentionner dans le point de Christian Berthelli. Il fait que de courir. À un moment, tu te poses, tu fais ça. Viens. D'accord, il se repose, qu'il demande, hein, de demander à son adversaire de venir à un moment. Il a peur, tu sais quoi, il veut s'arracher, il veut faire que du débit. Il veut faire que de la touche sur toi, il veut pas rester en train. Donc, t'épuises pas à lui courir après, je t'ai dit à un moment, tu coupes les routes en triant. D'accord? Tu coupes les routes en triant. Et à un moment, tu t'arrêtes, tu le fais. Viens, viens comme ça.
On est bien d'accord ? Alors, on voit quelques highlights hein, de ces rounds et quasiment à chaque fois, si ce n'est sur ce dernier enchaînement de Madike Camara, elle va envoyer Madike acculé contre les cordes ou dans le coin du ring. C'est ce que je t'ai dit. C'est toi le patron, vas-y. Ouais, c'est deuxième, allez. Alors on va attaquer le deuxième round de ce combat. Je vous rappelle que ce combat est prévu en 3 rounds de 3 minutes. Règle K1. Allez, c'est reparti. Les low kicks qui sont bloqués hein, par Christian. Et derrière lui, remise en middle. Allez, tout de suite, tout de suite. Voilà, et petit à petit, il grappille du terrain, Christian. Allez, déclenche tout de suite. Le middle. Allez, premier. Presse. Pas de mi-distance. Voilà, équipe de Christian. Madike qui essaie de remiser en low kick un peu court. Et encore une fois, elle se retrouve dos contre les cordes. Le low kick, pas bloqué, encore un. Le kick intérieur. Voilà, et toujours, je vous le dis, hein, ce bon cadrage de Christian Bertelli, même lorsqu'il n'attaque pas, ben voilà, il impose quand même son rythme et sa stratégie à son adversaire. C'est lui qui presse constamment. On va le chercher avec les points, le middle. Et belle réplique de Madike. Bien pour le kick intérieur là pour Christian encore une fois. Le high kick derrière. Ouais, bel enchaînement, les points et le high kick en sortie. Crochet du gauche. Et là, on se livre un peu plus hein, cette fin de round. Ouais, bel enchaînement là. Madike qui veut répliquer, bien sûr. Alors je ne sais pas si c'est Madike hein, qui de lui-même là, recule, va se mettre dos contre les cordes. C'est pas la configuration du combat qui ne change pas. Alors, c'est à toi, à moi sur cet échange. Alors beaucoup de coups ont été parés bien sûr. Le middle dans les gants. Et la belle droite qui passe. Ah, c'est une gauche. Marque des points précieux dans ce round bien sûr, Christian Bertelli. Voilà, tout de suite, déclenche. Et fin du second round. Et on a vu encore une fois hein, Madike Camara beaucoup sur le reculoir dans ce round. Et une très belle gauche qui est passée pour Christian Bertelli. Et toujours ce cadrage, hein, bien sûr. Et ce pressing constant. Quand je vous rappelle, hein, il s'agit d'un combat revanche entre les deux hommes. Madike Camara qui avait perdu le précédent combat par TKO. Alors peut-être qu'il y a une crainte hein, de son côté, je ne sais pas. Là, sur les 30 dernières secondes, t'as voulu faire la bagarre. Qu'est-ce qu'on a dit ? Soit t'es à distance, soit t'es collé. La mi-distance, c'est le danger. La mi-distance avec lui, c'est le danger. D'accord ? Ne cherche pas, c'est pas parce que t'as réussi à riposter une fois ou deux. T'as vu ton bras, le bras arrière que t'as pris ouais. Parce que tu sais pourquoi ? Parce que t'es passif. Mmh, il te cadre. C'est que ça. Je te l'ai dit, c'est un sniper, il va attendre. Il te cadre. Dès qu'il t'a, boum. Mon jab, dès que tu mets ton jab, tu gênes avec ton jab, putain. Je peux savoir un truc. Tu mets un jab une jambe. Pourquoi tu utilises pas ton jab ? Non, c'est pas de ça. Voilà, donc on a tendu l'oreille pour écouter ce qu'il disait dans le coin de Madike Camara. Et effectivement, hein, la mi-distance, c'est la distance qui ne lui convient pas. Il faut qu'il reste à distance longue. Soit tu tournes. On lui dit que le jab marchait bien pour lui. Il faut qu'il évite à tout prix hein, cette bagarre donc. Et qu'il empêche son adversaire de le cadrer comme ça constamment. À la troisième et dernière round, je pense que pour Madike Camara, s'il veut s'imposer dans ce combat, il faut qu'il s'impose avant la limite maintenant. Et encore une fois, hein,
le pressing de Christian Lidl. Voilà Madiqué qui a repris le centre. Ouais, bel enchaînement. Crochet au corps et ponctué par un low kick. Madiqué Camara de mettre un peu de rythme dans ce combat. Il faudrait qu'il arrive à imposer en tout cas son rythme à son adversaire. Ah, mais encore une fois, on a ce bon cadrage. Voilà. On voit que Christian a un petit à petit grappille du terrain. Il se rapproche. Ouais. Madiqué qui est plus actif maintenant. Et voilà. Son coin lui avait demandé. Christian qui demande donc à Madiqué de venir pour le contrer bien sûr. Ah, donc Christian qui a changé de stratégie, maintenant il recule, hein, il laisse venir à lui son adversaire. Mais attention, il était touché là et un beau contre du gauche encore pour Christian. On voit le sourire hein, sur le visage de Madiqué Camara. Également sur celui de Christian. Je pense qu'ils sont contents d'être là. Attention. Le middle. On le sentait venir. La tentative de coup de genou sauté et derrière la remise. Et Madiqué Camara qui est ouvert, je pense que c'est sur ce coup de genou sauté en fait, hein. On a l'impression qu'il n'a pas touché. Mais il semble bien couillé. Donc on va checker cette blessure. Enlève, enlève. C'est entre deux yeux hein, sur le haut du nez. Je pense qu'il va pouvoir repartir de toute manière, il reste... Voilà, c'est une belle ouverture quand même. Le médecin qui est pas chaud pour laisser repartir. Négociation hein, dans le coin de Madiqué Camara. Il veut continuer. Et au grand dam donc de Madiqué, le médecin qui arrête le combat. Alors effectivement il a une belle entaille hein, au-dessus du nez. Et comme le dit le médecin, s'il reprend un coup dessus, ça pourrait s'ouvrir davantage. Ce qui n'est pas conseillé. Et j'imagine la frustration hein, pour Madiqué Camara. Il sentait une défaite par TKO contre Christian Bertelli. Et là qui s'incline une nouvelle fois avant la limite. La guerre. Ah donc Christian Bertelli qui s'impose par arrêt du médecin dans le dernier round. Dans ce super fight, K1, moins de 71 kilos.